Bonjour à tous et bienvenue sur Manec News pour cette émission. Et on commence tout de suite par les infos de Bretagne de Jean-Luc de Carensac. Et oui, bonjour à tous et bienvenue au journal local, journal régional, le journal de Bretagne. Alors, les nouvelles sont-elles fraîches cette semaine? Vous allez le savoir tout de suite. On a des excellentes news, tout à fait, une news surprenante. Ce week-end, il y a eu un feu, un incendie dans une maison, dans une boulangerie. Heureusement, 4 jeunes sont passés par là, effectivement, ils revenaient de discothèque. Ils sont passés, donc 4 jeunes, 2 étaient à pied, 2 en scooter. Ils ont vu la maison en flammes, ils n'ont pas hésité un seul instant, ils se sont engouffrés dedans, ont sauvé quasiment toute la famille. On reste dans les bonnes nouvelles, effectivement, un trésor a été trouvé dans les Côtes d'Armor. C'est la fabuleuse histoire du petit Yann. Donc Yann a toujours été passionné par tout ce qui est trésor, les pirates, l'archéologie. Et dès son plus jeune âge, il a voulu acheter... donc une perche détecteur de métaux. Donc avec cette perche détecteur de métaux, et en fouillant dans le jardin de son voisin, il a trouvé des pièces en argent. Donc plus de 75 pièces d'argent ont été ainsi ramassées. Il y en a encore d'autres, mais bon, Yann avait un peu mal au dos. Et toutes ces pièces valent à peu près entre 50 et 800 euros pièce. Donc fabuleux trésor. Donc si vous avez un jardin, si vous avez un détecteur à métaux, n'hésitez pas, passez un petit coup au lieu du râteau, ça peut toujours servir, ça fait plaisir en fin de mois. Bonne nouvelle, excellente nouvelle pour les chômeurs. Vous êtes en galère, vous cherchez du boulot pour les vacances, vous savez pas quoi faire, c'est l'été, mais au lieu d'aller bronzer, vous avez envie de travailler, vous avez envie de vous faire des sous pour la rentrée, acheter des nouveaux CD. Bonne nouvelle, à Concarneau, on recherche des saisonniers pour travailler dans les restaurants, les boulangeries, les pizzas, les snack bars. Donc n'hésitez pas, envoyez tous vos CV. Attention, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, effectivement. Nous allons parler d'une disparition, d'un enlèvement, en tout cas d'une personne qui n'est plus là actuellement. Alerte, enlèvement. Je vais vous parler d'un jeune japonais, originaire de Bretagne, qui serait parti escalader le Mont Blanc. Donc, il est parti à coups de pioche, à coups de pelle, à travers les crevasses. Et au moment où il atteignait le sommet, il aurait disparu. Donc, enlèvement de Yeti, on ne sait pas. Toutes les pistes sont envisageables. Donc, il aurait disparu depuis une semaine. Mais on m'apprend que les gendarmes ont cessé les recherches hier soir. Donc, n'hésitez pas, continuez à rechercher les amis. Donnez des coups de pioche dans la crevasse, on ne sait jamais. Le petit japonais, Jimmy Wong, est peut-être toujours vivant. Donc tiens bon Jimmy, on va te chercher. Et voici les amis, merci Jean-René, c'était les actualités de la semaine, tout ce qui se passe en Bretagne, en local, et on se retrouve prochainement. Merci Jean-Luc de Carensac. On retrouve tout de suite Madame Irma pour l'horoscope. Bonjour, c'est Madame Irma. Aujourd'hui, nous allons faire le lion. Du 23 juillet au 22 août, signe de feu. Le lion symbolise l'homme, le roi de la création qui domine l'univers. De symbole de la royauté, de la puissance. Le lion aime se mettre en valeur, n'aime pas l'injustice. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et ça
cette semaine vous voulez peut-être aller au cinéma, eh ben, on vous propose de savoir ce qui va sortir au cinéma cette semaine dans les sorties ciné de John Smith. Coucou les amis, c'est John Smith pour les sorties ciné du 23 août. Alors, j'ai sélectionné trois films cette semaine. Ip Man et Bodyguard, gros film d'action, science-fiction et comédie qui dure 2 heures. Le meilleur garde du corps du monde est engagé pour protéger un tueur à gages pendant 24 heures. Gros budget, gros film d'action, sélection de la semaine. A Gentleman, c'est un film Bollywood, action-comédie. Un jour, suite à une erreur sur sa personne, Gaurav, un charmant gentleman, voit sa paisible existence prendre un tournant inattendu entre action, cascade, romance et baston. Né en Chine, documentaire Disney Nature. Sur les terres sauvages de l'Empire du Milieu, donc en Chine, le destin de 3 familles d'animaux s'entrecroise. On va voir les pandas majestueux, l'astucieux singe doré et l'insaisissable panthère des neiges. Yé yé les amis, c'était John Smith en direct sur Manec TV, la chaîne de l'info régionale et locale. Oh oh oh, en direct du bocal. Et tout de suite, je reçois pour l'interview Madame Marie-Vonne Pasquier, prof de Tai Chi. Avec quel est son nom, Marie-Vonne Pasquier. Bonjour Marie-Vonne. Bonjour Jean-René. Vous allez bien? Oui, ça va trop bien. Alors vous êtes prof de Tai Chi. De Tai Chi Chuan. Vous avez beaucoup de monde à vos séances? Du monde, beaucoup beaucoup beaucoup. Venez Jean-René. Alors Jean-René, respirez, respirez Jean-René. On inspire. On expire. Ah, ça titille un peu, Jean-René. Pouvez-vous nous dire c'est quoi le Tai Chi? Le Tai Chi, ça vient de Chine. Ça veut dire fais gaffe à ta gueule. Attention, Jean-René. Vous m'avez regardé les nichons. J'ai pas aimé. De Bruce Lee, vous pouvez me retrouver tous les samedis derrière les poubelles parce que j'ai pas encore de local. Et venez, hein, ça va se taper. Hi, hi. Et on retrouve tout de suite Émilie Julie qui va vous animer une nouvelle chronique sur la télé réalité. Donc c'est Émilie Julie. Je vais vous présenter la télé-réalité. Alors 2 nouvelles saisons inédites comme Secret Story sur NT1 et TF1. Les Vacances des Anges en Grèce sur NRJ12. Et les Marseillais contre le reste du monde 2 sur W9. Je vais vous parler d'une nouvelle émission télé qui a débuté au début du mois, qui est les 10 couples parfaits, donc 10 hommes, 10 femmes, donc 100 combinaisons possibles. Alors, 7 couples ont été trouvés, mais on ne sait pas lesquels. Moi, j'en ai quelques couples, comme Mathieu et Claire, qui ont fait connaissance à fur et à mesure, Paris et Mia et Michael, qui ont menti, donc ils étaient en couple dès le début du jeu. Caroline et Quentin qui a été surpris, c'était un coup de chance. Et Tom et Agda par jalousie. Merci à tous, gros bisous, à la semaine prochaine. Merci Émilie, Julie, on vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles croustillantes sur la télé-réalité.
MC Reporter est parti à Sien Park, le plus grand parc d'eau aquatique, évidemment. C'est parti. À vous, MC Reporter. Coucou les amis, c'est MC Reporter en live et en direct pour un reportage toujours plus exclusif de jour en jour, de l'heure en heure. C'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans un parc aquatique classé le meilleur du monde. Il s'appelle Sien Park. Il est situé à Tenerife, aux îles Canaries. Axé sur le thème de la Thaïlande, c'est magnifique. Alors là-bas, il y a des gros toboggans, des grosses piscines à vagues. Il y a le Tower of Power, c'est une attraction principale du parc. Hauteur 45 mètres, un tunnel passant sous un aquarium à requins. Donc ça, c'est un truc extraordinaire. Apparemment, ça nous fait passer avec les requins. Alors, combien coûte l'entrée du parc? 35 €, et on peut prendre un fast-pass à 15 € pour ne pas faire la queue. Ça, bien évidemment, je vous le conseille. Voilà les amis, c'est fini pour cette semaine. Je me trouve avec Jacqueline qui va tenter un exploit exceptionnel. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-René. Alors quel est l'exploit que vous allez réaliser? Je vais aller chercher le petit jeune homme là qui est parti là. Où ça? Au pôle Nord, c'est ça? Oui, il fait très froid. Et oui, il fait très froid. Il a été abandonné, le petit Jimmy là. Il y a eu une avalanche, il est sous la neige, on sait pas où il est. Mais oui, je vais le chercher, je vais le ramener. Des pattes, pourquoi, et les couvertures. Pourquoi vous allez le chercher? La police, pourquoi elle y va pas? Personne veut y aller, donc faut bien que je le trouve moi, parce que je veux pas laisser un enfant en détresse tout seul. Ses parents vont le chercher partout. Et est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que d'autres personnes, s'ils veulent venir vous aider, ils peuvent? Ah, il faudrait, oui. Venez tous, tous avec moi. Le message est passé. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-René. Au revoir. Vous avez envie de rire un petit peu? C'est l'heure tout de suite des blagues de la semaine avec Jimmy Croquette. Les amis, c'est Jimmy Croquette en live en direct pour les petits schtroumpfs et les schtroumpfettes. Cette semaine, on va rigoler. C'est un pain au chocolat qui rencontre un croissant. Hey, mais pourquoi t'es en forme de lune, toi? Et toi, pourquoi t'as de la crotte au cul? Un gendarme fait stopper un automobiliste. Hey, vous avez pas vu le feu? Si, mais c'est vous que j'avais pas vu. Connaissez-vous l'histoire du lit vertical? Eh ben moi non plus. Vous voulez une blague à l'envers? Rigolez, je vous raconterai après. Avez-vous déjà vu le code-barre du préservatif? Ah non, attends, celle-là, je vais la faire bien. As-tu déjà vu le code-barre sur un préservatif? Ben non, c'est parce que tu l'as pas déroulé jusqu'au bout. C'était Jimmy Croquette en live en direct. Ouais. Johnny. La semaine prochaine, nous ne vous proposerons pas d'émission car nous avons décidé de prendre quelques jours de vacances. On en profitera pour tourner évidemment quelques séquences pour vous. On se retrouve donc dans 2 semaines. Je vous dis à la semaine prochaine et soyez heureux sur Manic TV. Ciao.